24 heures après avoir gagné la voix, Geneviève Jodoin se confie. Marc-André Lemieux. Bien qu'aucun candidat de plus de 30 ans, ou même 40 ans, n'ait remporté la voix auparavant, Geneviève Jodoin n'a pas laissé cette statistique freiner son élan quand elle s'est présentée aux pré-auditions du concours, l'été dernier. J'y suis allée tête première, relate la lauréate de 41 ans. De toute façon, dans ma tête, j'ai 25 ans. Rencontrée à TV à moins de 24 heures, après avoir gagné la 7e saison du concours devant 2 4 000 téléspectateurs, Geneviève Jodoin paraît heureuse, mais surtout exténuée. Après plusieurs semaines de stress et d'émotions intenses, quiconque expérimenterait une chute d'adrénaline aussi subite peinerait à retenir ses bâillements au cœur d'une journée tapissée d'entrevues. « Je n'ai pas dormi, avoue-t-elle. J'ai fait le parti parce que je ne pouvais pas concevoir que j'allais me transformer en citrouille à minuit, parce que j'avais une grosse journée devant moi. Je voulais en profiter un peu. » Une décision en famille ancienne, choriste de l'émission Belle et Bomme à Télé-Québec, Geneviève Jodoin a décidé de participer à La Voix après s'être assurée que son conjoint et leurs trois enfants, Jules, 15 ans, Zénon, 11 ans, et Félix, 9 ans, soutenaient sa démarche. Parce qu'une telle décision allait nécessairement chambouler la dynamique familiale, souligne l'ex-montréalaise qui exploite une auberge slash bistro culturel Alice Locoudre depuis maintenant 6 ans. Ça impliquait beaucoup d'absence, 4h30 de route. Mais il fallait que j'essaie. J'aurais senti quelque chose d'inachevé si j'avais laissé tomber. Durant toute ma carrière, j'ai toujours gardé ma petite rague de garnotte tranquille, mais je savais bien qu'un jour, ça allait aboutir sur l'autoroute. Et l'autoroute, je l'ai enfin pognée, en Formule 1 en plus. Saisirai-je la chance quand on rappelle à Geneviève Jodoin, qui compte 3 albums derrière la cravate, combien certaines personnes, sourcillent en voyant des chanteurs professionnels participer à La Voix, cette dernière hausse les épaules. Il y en a qui me disaient, tu l'as eu, ta chance. Laisse la place aux jeunes. Mais elle expirait quand, ma chance? La musique, c'est ma passion, mais je n'étais plus capable d'en vivre. Alors pourquoi je n'aurais pas le droit, comme les jeunes, de saisir cette chance? Ma place, je ne l'ai pas volée. Ajoute la détentrice d'un bac en chant jazz à l'Université de Montréal. Ne serait-ce que pour prouver aux enfants qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves, je devais faire La Voix. Auberge en demande Geneviève Jodoin multipliera les allers-retours Montréal-Charlevoix au cours des prochains mois. Dimanche, elle présentera un prix au gala Arty. Elle devrait également accompagner Coréard sur scène durant ses concerts en juin, puis tenir l'affiche du spectacle La Voix Expérience à Québec et Montréal en août et septembre. Son été s'annonce d'autant plus chargé que l'intérêt pour son auberge, La Fascine, a grandi de manière exponentielle depuis son audition à l'aveugle. Mes employés me disent qu'ils reçoivent des appels de gens qui veulent me parler. Les gens s'arrêtent pour prendre la façade en photo, c'est l'année où les billets partent le plus vite. Plusieurs shows affichent déjà complets. C'est une autre raison pour laquelle je voulais faire La Voix, poursuit-elle. J'avais envie de faire rayonner la région de Charlevoix. Je voulais faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas toujours besoin d'aller en vacances aux États-Unis. Le Québec, c'est tellement beau.